les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel, à faire un gâteau. Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait. Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment, et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool, par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, ben, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes, tu peux verser 210 g de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique, à vitesse moyenne, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi, on dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes deux à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Oh. Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi. D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique, un. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens, Bob, tu mélanges avec cette spatule, s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron? Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Ah. Et enfin, 200 g de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord? Mission réussie! Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte. Et on met à cuire au four une heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le démoules pas
vraiment sur un plat? Ah, c'est mon secret! Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 g de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais. Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants. Faut pas avoir peur, Michel. On est gentils comme lapins. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler. Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis. Oh, merci Michel. Merci beaucoup. Et il est amoureux de toi? Ben justement, je sais pas s'il est amoureux de moi. Je suis sûre qu'il l'est. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un garçon à l'école qui s'appelle Théo. Je le trouve beau, il est très gentil. Il a dit qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Eh bien, où est le problème? Il y a assez de cacao pour faire un petit gâteau. Oh non, si j'en fais qu'un pour lui, tout le monde va se moquer de moi. J'y comprends rien à ces histoires de filles. Je crois que j'ai la solution. On va faire un gâteau marbré. Moitié chocolat, moitié nature. Je te promets que ça va impressionner tous tes amis. Finalement, c'est drôlement bien que tu sois amoureuse. Allez, au travail. Pour 6 personnes, il faut 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de cacao, 60 g de sucre en poudre, 220 g de farine, 10 cl de lait demi-écrémé et un paquet de levure chimique. Pour ramollir le beurre? C'est très facile. On le coupe en petits morceaux dans un saladier. Et on met le saladier dans le four froid. En plein milieu. On règle le thermostat à 6 ou 180 degrés. Et dans 7 minutes, on aura un beurre parfaitement ramolli. On fait quoi en attendant? On parle de Théo? Ah, il s'appelle Théo. T'es trop bête. On va préparer les œufs. Faut séparer les blancs des jaunes, ça c'est ma spécialité. Ça te dérange pas qu'on le fasse tous les deux? Le beurre est ramolli. On va en prélever une cuillère à soupe pour beurrer le moule. Je mets quoi d'abord dans les jaunes pour faire la pâte? Le beurre ramolli. Ensuite, le sucre. Avec une cuillère en bois, Michel? Ce sera plus facile avec le fouet électrique. Mais tu peux ajouter 2 pincées de sel avant. Attends, je le fais. On dit que les cuisiniers amoureux salent toujours trop. Tu crois que c'est vrai, Michel?
Oui, quand on est amoureux, on est parfois distrait. Hein, Prune? Quoi? Oh. Ma petite pâtissière rêveuse. Tu peux mélanger maintenant. Combien de temps? 2 minutes à vitesse moyenne. C'est bien là? Parfait. On ajoute la farine, 10 centilitres de lait, la levure chimique et on mélange encore 2 minutes. Pourquoi on appelle ça un gâteau marbré? Parce qu'on dirait du marbre avec des veines de couleurs différentes. Oh, t'as fini? J'ai envie de monter les blancs en neige. Donne! Oui, attends. Il faut que je lave. S'il reste de la pâte sur le fouet, les blancs auront du mal à monter. Ah! Et la pincée de sel? Oh! Oh oui! Je commence lentement, hein? Oui. Après 30 secondes, tu augmentes la vitesse. Ça va pas être facile de mélanger cette pâte au blanc, dis-moi. Incorpore d'abord 2 grosses cuillères à soupe de blanc pour la ramollir. Je crois que ça va aller. On peut verser les blancs. Vas-y, Bob. Va mélanger délicatement en soulevant bien la pâte. Pour pas casser les blancs. Et voilà, il n'y a plus qu'à ajouter le cacao. Oh oh, attention, il faut faire 2 préparations. Oh oui, t'as raison petit frère. On va mettre la moitié dans le saladier où il y avait les blancs. Avant de mettre la pâte dans le moule, il faut le saupoudrer d'une bonne cuillère à soupe de sucre. C'est génial! Il s'accroche tout seul au beurre! Mais alors, comment on fait pour que les 2 pâtes se mélangent pas? On verse alternativement 1 cuillère de chaque dans le moule. Toi, tu mets la pâte au chocolat, moi je mets l'autre. Ça va s'étaler en cuisant? Lisse un peu avec la spatule. On met au four 50 minutes. On va régler le minuteur. Dans 25 minutes, on posera une feuille de papier aluminium sur le gâteau. Faut attendre un peu. C'est le secret. Un secret utile pour tous les gâteaux. Il faut les laisser refroidir 5 minutes pour les démouler plus facilement. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils refroidissent des 2 côtés sans que le dessous ramollisse. Ce serait mieux que je l'apporte entier. Comment tu vas faire pour le couper à l'école, hein? Et puis en plus, il faut qu'on soit sûr qu'il est bon. T'as raison. Moi, si j'ai une copine qui fait des gâteaux comme ça, je tombe fou amoureux. Enfin, en tout cas, je fais semblant.